Et c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Stéphanie, je suis très heureuse de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo 100% tricot. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 27 août 2023 et ça y est, c'est l'automne. Il y a quelques jours de ça, je tournais une vidéo où je vous présentais mon atelier, hein, la vidéo Atelier Tour, et c'était la canicule. Eh bien ça y est, maintenant je porte un petit pull, vous voyez, je porte mon cumulus rose et c'est un temps d'automne, il fait gris, j'ai rallumé ma petite lumière et j'ai même mis mes petites lumières derrière moi, donc ça y est, clairement on est passé de la canicule à un temps d'automne en 2 jours. Alors je porte mon pull cumulus rose, c'est le cumulus donc de petite knit que j'ai déjà tricoté dans plusieurs versions. Et celui-ci, je l'avais tricoté dans les laines de Annie Blatt, la Honeymoon. Donc, c'est leur mohair et soie en coloris rose. Une superbe version que j'adore porter, qui est très très douce. Hein. Le mohair de chez Annie Blatt, il est super doux. Je voulais commencer cette vidéo par vous remercier pour vos gentils mots que j'ai lus ce matin, d'ailleurs, sous ma dernière vidéo, donc la petite visite de mon atelier qui apparemment vous a plu. Ça m'a fait super plaisir de lire vos commentaires. Merci à tous. Et je remercie également 4 personnes qui m'ont gentiment offert un café sur la plateforme Ko-fi. Je remercie Sandrine, Yolande, Joël et Catherine. Merci beaucoup à toutes les 4. Allez, c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Donc au programme, 5 en cours et un seul tricot terminé. Qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai un tricot terminé. Et donc 5 en cours à vous présenter, il y a un petit peu de tout, vous allez voir des pulls, un gilet, des châles, enfin non, un châle et des chaussettes. Voilà, donc c'est déjà pas mal. Allez, je commence par vous parler de mon tricot terminé. Il s'agit de mes petites soquettes Vichy. Les soquettes Vichy de Marie-Christine Lévesque que j'ai enfin tricotées et je suis trop contente. Regardez comme elles sont trop belles. Je les adore. Dans les tons de violet. Et je peux vous dire que j'ai adoré les tricoter. Donc, c'est un modèle du livre Champêtre, un livre dont je vous parle souvent ici sur YouTube. Mais le patron existe également sur Ravelry. Donc, c'est ce modèle-là que j'ai tricoté, les soquettes Vichy. Vous voyez que c'est un modèle qui se tricote entièrement en jacquard avec 3 couleurs. Vous voyez, on fait des petits carrés. Donc c'est très facile à retenir hein, au niveau du jacquard. Et vous voyez que moi j'ai modifié la cheville. Vous voyez qu'ici il y a une jolie cheville festonnée avec une petite dentelle. Mais moi j'ai préféré resserrer un petit peu la cheville et faire des petites côtes 1-1 torse pour avoir un bon maintien au niveau de la cheville. Voilà. Donc j'ai fait la taille 60 mailles, hein, c'est la première taille. Et je vous disais dans une de mes vidéos précédentes que pour moi, 60 mailles, c'est trop grand. J'avais déjà essayé de tricoter des chaussettes avec 60 mailles et pour moi, c'est trop grand. Je tricote toujours 56 mailles, c'est ma taille habituelle. Mais du coup, la créatrice, donc Marie-Christine, m'avait envoyé un petit message me disant que le jacquard allait resserrer un petit peu la chaussette. Effectivement, elles me vont très bien. Donc, elles sont ni trop serrées, ni trop larges. Elles sont vraiment parfaites niveau taille. Donc voilà, j'ai utilisé des couleurs dans les tons de violet. Je les ai tricotées avec la laine à chaussettes de chez Langyarn, c'est la Jawol. Donc voici les laines que j'ai utilisées. Donc c'est la Jawol de chez Langyarn. Une laine à chaussettes que j'aime beaucoup, je l'avais déjà tricotée. Et elle vieillit super bien, elle est très douce, très agréable à tricoter. Celle-ci, je l'aime beaucoup. Et ils ont des jolis coloris en plus. Donc ces pelotes-là viennent du site Sperenza. Voilà. J'ai utilisé du blanc, un violet clair et un violet foncé. Elles se construisent de la cheville vers la pointe avec un talon en rang raccourci. Très facile à réaliser ce talon. Et pour le talon, j'ai utilisé le fil de renfort qui se situe à l'intérieur des pelotes. Je vais vous montrer ça.
Donc, comme vous le voyez sur l'étiquette, vous voyez qu'ici, il y a une petite image de bobine de fil. En fait, c'est ça. C'est une petite bobine qui se trouve à l'intérieur de la pelote. Et en fait, c'est un fil de renfort que vous allez tricoter en même temps tenu avec la laine pour le talon et la pointe. Donc, une petite bobine de renfort qui se situe à l'intérieur de chacune des pelotes. Vous voyez que celle-ci, par exemple, je ne l'ai pas utilisée, mais en fait, vous le sentez déjà ici. Vous allez à l'intérieur de la pelote et hop, vous voyez que c'est magique. Il y a une petite bobine de fil à l'intérieur. Donc voilà, c'est le fil de renfort. Et ça, c'est dans toutes les pelotes de laine Jawohl de chez Langyarn. Donc cette petite bobine, vous l'utilisez pour la pointe et pour le talon. Alors moi, je l'ai utilisée uniquement pour le talon. Ça permet de renforcer davantage le talon de votre chaussette. Alors, je vais vous montrer l'intérieur de ma chaussette pour vous montrer un petit peu le jacquard. Vous voyez? Un très très joli jacquard. C'est aussi très joli à l'intérieur avec un jacquard bien souple. Et alors ne vous inquiétez pas, quand on enfile la chaussette, on ne s'accroche pas dans les petits fils. Parce qu'en fait, vous voyez que le jacquard, enfin, les petits carrés, il n'y a pas énormément de mailles en fait. Et du coup, on ne s'accroche pas, on ne s'attache pas dans les petits fils du jacquard quand on enfile la chaussette. Ça, c'est une question que j'avais eue sur Instagram. Et donc voilà, voilà pour les petites soquettes Vichy que j'ai tricotées avec des mini circulaires pour ne pas avoir de démarcation dans mon jacquard. Et je suis bien contente du résultat. Voilà pour les petites soquettes Vichy de Marie-Christine Lévesque que j'ai adoré tricoter et que j'aimerais bien retricoter. Pourquoi pas en version chaussette, peut-être dans les tons de bleu. Allez, c'est parti maintenant pour les encours. Je vais vous présenter mes nombreux encours. Vous êtes prêts? En voilà un. C'est pas fini. Deux. Trois. Quatre. Et le cinquième. Allez, je commence par lequel? Celui-ci. C'est celui que je vous ai présenté ce matin sur Instagram. Allez, c'est parti. Allez, premier encours, il s'agit d'un modèle fil d'art qui se trouve dans ce catalogue-là, automne-hiver numéro 218, automne-hiver 2022-2023, un merveilleux catalogue que j'ai découvert. En fait, j'ai craqué pour un pull. Et le pull que j'ai choisi, il est dans ce catalogue-là et je vais vous montrer les modèles qu'il y a dans ce catalogue. J'ai envie de tous les tricoter. J'ai été impressionnée. Donc, je tricote ce pull-là. Celui-ci, c'est le pull Ola de chez Fil d'Art qui est tricoté entièrement en jacquard intarsia. Donc, le voici, le pull Ola que je suis en train de tricoter. Il se tricote en mohair et soie lurex de chez Fil d'Art. Donc, je l'ai trouvé en kit sur le site de Happy Wool. Je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse. Je vous montrerai les modèles qui sont dans ce catalogue. Il y a des modèles que je vais tricoter d'ailleurs, c'est sûr, parce qu'ils sont vraiment superbes. Je vous les montre après. Alors, mon petit pull Ola que j'ai commencé. Donc, comme je vous disais, c'est du jacquard intarsia. Donc, on utilise plusieurs pelotes en fait, ce qui fait qu'on ne peut pas adapter ce modèle en rond. Donc, je le tricote à plat en suivant les explications du modèle, hein, tout bêtement. Moi, ça ne me fait plus peur maintenant les coutures. Vous savez, depuis que j'ai fait le modèle de chez Annie Blatt, c'était le pull Inès, qui était aussi du jacquard intarsia d'ailleurs. Et du coup, les modèles à plat, bah, ça me dérange pas du tout de les tricoter et de faire les coutures. Donc voici le début de mon pull Ola. Donc il se commence par le bas, vous voyez. Donc ça, c'est le dos en fait. Il se commence par le dos. Hop, il se tricote en aiguille numéro 5, donc ça va assez vite. Mais bon, c'est quand même un petit peu long à tricoter parce qu'il y a beaucoup de couleurs, de changements de fil, etc. Donc ça, c'est un modèle que je vais tricoter vraiment sur une table. Je vous ai mis la photo d'ailleurs sur Instagram.
sur une table avec les pelotes bien en ordre en face de moi, la grille de jacquard à côté, et voilà. C'est pas un pull à tricoter sur son canapé avec les pelotes qui se mélangent, etc. Non, faut vraiment faire attention à ne pas faire de nœuds dans les fils. Donc voilà le début avec de très jolis coloris. Et vous voyez que, je sais pas si vous le voyez bien, mais cette laine, en fait, elle brille. En fait, c'est un fil de mohair et soie, mais lurex, c'est-à-dire qu'il y a un petit fil brillant à l'intérieur. C'est très doux, hein, on ne sent pas du tout le petit fil brillant. Ça, c'est le coloris canard. J'adore ce coloris. Donc, il y a plein de coloris différents. Je vais vous montrer les pelotes. Vous voyez le coloris canard. Là, on voit bien le fil lurex. Qu'est-ce qu'il est beau, ce fil. Donc, ça, c'est le mohair et soie lurex de chez Fildart. Donc, voici toutes les couleurs. J'espère que j'en oublie pas. Ah non, j'ai oublié aussi le caramel. Bon, il y a encore une couleur qui manque. Vous voyez, c'est cette qualité-là, mohair et soie lurex, avec plein de jolis coloris. Et je trouve que c'est un petit peu des coloris d'automne quand même. On a le beige qui est dominant. Pareil, c'est lurex aussi. De toute façon, tout est détaillé hein, sur la fiche Happy Wool, sur la fiche du kit. On a un bleu clair, un bleu un peu plus foncé. Le canard, là, c'est celui que je préfère. On a deux roses différents. Deux roses, deux jolies roses. Et le caramel, il est ici. Enfin, ou noisette. Voilà. Très joli coloris d'automne. J'adore ce pull. Vraiment, quand je l'ai vu. Et en plus, j'avais envie de refaire du jacquard intarsia. Donc, je me suis dit pour l'automne, allez hop, on y va. Donc voilà le début du dos et je vous montre aussi l'envers. Vous voyez que c'est très joli aussi sur l'envers. Alors bon, il y a des fils partout, hein, mais c'est normal. Quoique j'en ai rentré quand même quelques-uns déjà. Et donc voilà l'envers qui est pas mal du tout non plus. Donc quand on fait du jacquard intarsia, il faut vraiment croiser ses fils quand on change les couleurs pour éviter qu'il y ait des petits trous en fait. Donc il se tricote en aiguille numéro 5 et 4,5 pour les côtes. Et moi je fais la taille S. Donc c'est la première taille du patron. Et quand je le mets sur moi comme ça, hop, la taille sera vraiment parfaite. Avec les côtés, niveau aisance, ça sera vraiment très bien. Que dire d'autre pour ce modèle Oui, pour la grille de jacquard. En fait, vous avez 4 grilles de jacquard. Une grille pour le devant, une grille pour le dos et deux grilles pour les manches. Et les grilles qui sont dans le livre sont assez petites. Enfin, petites, c'est la taille du livre, quoi, format A4. Et du coup, j'ai eu beaucoup de mal à lire les petits carrés, rang par rang. Ça me fatiguait beaucoup les yeux. Donc, j'ai fait agrandir les grilles de jacquard. Sans vous en dévoiler de trop, puisque c'est un patron payant, je ne peux pas trop vous montrer la grille de jacquard. Mais pour que vous puissiez comprendre de quoi je parle, vous voyez que les carrés, c'est vraiment tout petit, petit. Et en fait, j'avais beaucoup de mal eh bien, à compter les couleurs par rang, en fait, sur le livre. Donc, ce que j'ai fait agrandir au format A3 toutes les grilles de jacquard. Et pour ces agrandissements, j'ai pensé tout de suite à Virginie de Patterns for You qui propose sur sa boutique en ligne eh bien, des impressions de patrons, surtout des patrons de couture elle fait. Vous savez, par exemple, si vous achetez un patron de couture en format PDF et que, comme moi, vous n'aimez pas les patrons PDF, vous pouvez lui faire imprimer une grande planche patron que vous recevez chez vous à partir de votre patron PDF. Et donc, j'ai pensé à elle pour faire les agrandissements de mes grilles de jacquard que je n'arrivais pas à lire. Donc, je lui ai proposé un format A3 et elle me les a envoyés en une journée. Ça a été hyper rapide. Le soir même, elle me dit, je t'envoie les grilles par la poste. Je les ai reçues le lendemain. Donc, ça a été hyper rapide. Merci à toi, Virginie. Et elle m'a donc envoyé les grilles au format A3. Et vous voyez que les carrés sont beaucoup plus gros. Et cette fois-ci, je n'ai plus du tout de difficulté pour lire, ben, en fait,
pour lire rang par rang mes grilles de jacquard. Sinon, c'était beaucoup trop long et ça me fatiguait vraiment les yeux. Donc là, je suis très contente, ça m'avance, ça m'aide beaucoup. Je suis désolée, hein, je ne peux pas vraiment vous montrer les grilles, hein, parce que c'est un patron payant, mais voyez la différence, hein, avec le livre. Si, comme moi, vous souhaitez faire agrandir, que ce soit une grille de jacquard, de dentelle ou même pour le point de croix, pour la broderie, si vous n'arrivez pas à lire votre grille, n'hésitez pas à en parler à Virginie de Patterns for You. Je vous mets le lien vers son site dans la description de ma vidéo. Et du coup, elle vous agrandira votre patron et vous n'aurez plus de difficultés pour lire votre grille. En plus, elle m'a offert un petit carnet de couture trop joli, moi qui adore faire des carnets. Je vous en ai parlé dans ma vidéo Atelier Tour. Donc voilà un nouveau petit carnet de couture, mais c'est pas grave, je pourrais aussi l'utiliser pour le tricot. Voilà comment c'est à l'intérieur. Hop. Donc voilà ce premier projet d'automne, ce premier tricot d'automne qui avance tranquillement. C'est vraiment un plaisir à tricoter, que je tricote de temps en temps. Voilà, donc je suis le patron, je ne fais aucune modification. Je ne le tricote pas en rond parce que vous savez, avec le jacquard intarsia, vous ne pouvez pas. Enfin, c'est possible, mais les pelotes vont vraiment trop se mélanger. Ça va être une galère pas possible. Donc, il vaut mieux vraiment le tricoter à plat et suivre les explications du patron. Et puis ensuite, vous faites vos petites coutures et franchement, ça vaut le coup parce que c'est vraiment pas difficile. Et en plus, comme vous le voyez, ce modèle n'a pas de manches montées, mais des manches tombantes. Donc là, pour les coutures des manches, c'est hyper simple. Vous savez, moi, c'est plutôt les coutures quand il y a des manches montées. C'est les coutures ici que j'ai du mal à faire. Mais là, pour les manches tombantes, ça vaut vraiment pas la peine de s'en priver et de le tricoter en rond et de galérer avec les pelotes qui vont s'en mêler. Donc, du coup, je suis vraiment les explications du patron. D'ailleurs, il est très bien expliqué. Alors, bon, il n'est pas adapté aux débutants parce que c'est vraiment une technique qu'il faut quand même. Bon, qui n'est pas difficile, mais. Si vous débutez, c'est peut-être pas l'idéal. Il est au niveau, ils appellent ça expert. Voilà. Bon. C'est pas difficile, difficile, mais voilà, il faut vraiment bien suivre les explications, prendre son temps et ne pas s'en mêler dans les pelotes. Allez, je vais vous montrer quelques modèles de ce merveilleux catalogue. Donc, c'est le numéro 218. Superbe pull. Ils ont des très jolies photos automnales dans ce catalogue. Regardez ce joli gilet aux couleurs d'automne. Donc ça, c'est le gilet Océane. Tous les noms commencent par O. Tous les noms du catalogue commencent par O. Regardez ce gilet. Magnifique gilet Oprah. Avec de la dentelle. Oh, qu'est-ce qu'il est beau ce gilet. J'essaye de vous montrer sans que ça brille avec la lumière. Un autre pull avec des couleurs d'automne. Très sympa ce pull aussi. Mon coup de cœur du livre, c'est le gilet sans manches Odessa. Avec le pull Ola, mais alors celui-ci, je vais le faire, c'est sûr, il est trop trop beau et dans les mêmes couleurs. Oh, j'adore. Donc Odessa. Si vous aimez les gilets en torsade, un gros gilet bien douillet. Il y a aussi des accessoires, hein, des bonnets, des écharpes. Le gilet Olivine. Et puis à la fin du catalogue, vous avez aussi des conseils, voilà, pour le tricot. Donc il est vraiment très complet, hein, ce catalogue que je vous recommande. Vraiment, j'ai adoré les modèles qui sont à l'intérieur. J'ai prévu d'en tricoter d'autres d'ailleurs. Donc c'est le numéro 218 que j'ai eu donc avec le kit du pull Ola, disponible sur le site de Happy Wool. Je suis trop contente, je tricote enfin mes jolis écheveaux que je m'étais offerts lors du festival Laine à l'Est. Sur le stand de Hélène et Laine, j'avais craqué pour ces magnifiques écheveaux.
C'est la qualité Maya Fingering, composée de alpaga, soie et cachemire. Quelle douceur! Je peux vous dire que là, oh, c'est hyper doux. Et regardez ce joli coloris mélangé. C'est le coloris délicat coquillage. Je tricote enfin mes jolis écheveaux et je fais un châle. Je vais vous montrer ça tout de suite. Regardez, une fois bobiné, c'est super joli. Donc le coloris délicat coquillage. Et voici le début de mon châle. Le châle Bennett Sister de Lindsay Fowler. J'espère que je prononce bien son nom. Un châle qui était sur ma liste d'envie depuis bien longtemps et qui m'a été offert lors de mon dernier épisode de podcast par l'une d'entre vous qui se reconnaîtra et que je remercie encore pour son cadeau. Ça me fait super plaisir et tu vois, il est déjà sur mes aiguilles. Donc voici le début de mon châle. C'est un modèle qui est très très reposant, le châle Bennett Sister, puisque vous voyez, il se tricote en point mousse. Et il est hyper simple à tricoter, c'est très bien expliqué. Même la petite bordure, là, la jolie petite bordure, même de ce côté-là, est très facile à tricoter. Voilà. Donc vous voyez qu'on fait des augmentations d'un côté. Voilà, donc là c'est vraiment le début, hein. Et le rendu de la laine me plaît beaucoup. Avec l'alpaga, la soie et le cachemire, on a un tricot très fluide, très doux, un tricot un peu mou et vraiment j'adore cette laine. C'est très rare quand j'achète de la laine teinte à la main, mais alors là je me suis fait plaisir et je peux vous dire que bah, je recommanderais hein, chez Eline et Laine, je recommanderais, en plus elle a de très jolis coloris. Donc c'est de la laine qui est teinte à la main hein, par la créatrice, la teinturière donc de Eline et Laine. Vous voyez que j'ai mis mon petit marqueur de chez Apollonie. Donc voilà le début de mon châle. Je vous mets aussi une photo du modèle, comme ça vous verrez le modèle que je tricote. En fait, il se tricote en fingering et à un moment dans le châle, on va ajouter du mohair qu'on va venir tricoter avec le brin de fingering. Je vais vous montrer donc le mohair que j'ai choisi. Il suffit d'un seul écheveau pour ce modèle. Donc j'avais dans mon stock un écheveau de mohair du chat qui tricote qui m'avait été offert donc par Sandra, que je remercie. Et tu vois, Sandra, je vais l'utiliser pour mon châle puisque ce coloris café crème ira très bien avec le coloris délicat coquillage de Eline et Laine. Vous voyez que c'est un beige rosé qui se mariera parfaitement. Donc pour le moment, je tricote, on commence en fait par un seul fil de fingering et puis plus tard dans le châle, on va ajouter un fil de mohair et soie qu'on va venir tricoter avec la fingering. Donc voilà pour le châle Bennett Sister que vous verrez dans le prochain épisode. Donc là, je vous ai présenté un pull et un châle. Alors c'est vrai que là, vous n'allez pas me reconnaître parce que d'habitude, je suis mono en cours, c'est-à-dire que je tricote, j'ai l'habitude de tricoter un ouvrage et une fois qu'il est terminé seulement, je commence un autre ouvrage. J'ai toujours été habituée à faire ça et là, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai eu envie, eh bien, d'essayer de monter plusieurs projets pour voir si ça me plaisait. Et puis finalement, eh ben, j'aime bien. Parce qu'en fait, j'ai plusieurs tricots qui ne se ressemblent pas, avec des textures différentes, des points différents. Voilà, je vais avoir un tricot qui va demander de la concentration, comme le pull Ola. Je vais avoir un tricot que je vais pouvoir tricoter tout en regardant une série ou en faisant de la lecture ou un podcast, etc. Je vais avoir un tricot chaussette. Donc là, je vais pouvoir l'emmener partout. Le châle que je peux tricoter aussi en regardant un podcast. Voilà, tout est différent et finalement, bah, ça me plaît bien. Allez hop, en cours suivant. Cette fois-ci, je vais vous parler d'un gilet que vous avez déjà vu sur Instagram. Un très joli gilet. Alors là, on n'est pas du tout dans les couleurs d'automne, mais je vais vous montrer les couleurs que j'utilise. Ce sont les nouveaux coloris de chez Drops en mohair et soie. Voilà les trois couleurs que je tricote en ce moment. Des couleurs pastel,
Sympa, hein? On a du jaune, donc c'est limonade, brume violette, et je crois que celui-ci c'est pêche claire. Vous voyez, c'est un petit rose qui tire sur le pêche. Vous voyez, c'est différent, hein, du rose que je porte. Donc ça, ce sont les nouveaux coloris en kit silk de chez Drops qui viennent de la boutique Kalidou. Et quand j'ai vu ces trois nouveaux coloris, il y en a un quatrième aussi, hein, c'est le coloris sable. Mais quand j'ai vu ces trois coloris, je me suis dit, ils vont trop bien ensemble, il faut que je les tricote ensemble. Voici mon gilet que je tricote avec les trois coloris, donc un gilet rayé. Et concernant le modèle, j'ai choisi le gilet Luz de Atelier Émilie, que j'avais déjà tricoté en vert pomme. Et voici ma nouvelle version rayée, cette fois-ci avec ses jolies couleurs pastel. Donc je suis en train de tricoter le corps, mais ces trois couleurs ensemble, vraiment, ça me plaît beaucoup. Et j'ai choisi le gilet Luz. J'avais plusieurs idées en fait. Je voulais absolument un gilet, pas un pull. Je voulais tricoter un gilet, mais j'ai choisi Luz parce qu'en fait, vous voyez que la patte de boutonnage se tricote en même temps. Ce qui fait que ça ne me fera pas de démarcation dans mes rayures. En fait, il y aura une continuité dans les rayures sur la patte de boutonnage. Alors que si la patte de boutonnage se tricotait après, ben ça m'aurait fait une bande en fait d'une autre couleur. Je trouvais ça un petit peu dommage. Donc là, je suis contente de mon choix de patron. Vous voyez, la patte de boutonnage se tricote en même temps que le gilet, que le corps. Donc ça, c'est un modèle très facile à tricoter. Hein. Je pense que si vous débutez, vous pouvez vous lancer. Il est très bien expliqué. Donc c'est un modèle de Émilie Louis. Je vous mets également le lien vers le patron dans la description de la vidéo. Vous voyez que mes manches sont en attente et je suis en train de tricoter le corps. Je tricote la taille 2, donc comme pour ma première version. Et ce sont des aiguilles de 4,5, il me semble. Oui, ce sont des aiguilles de 4,5. Donc ça va assez vite à tricoter. Et il se tricote avec deux brins tenus ensemble. Donc je vous dirai le nombre de pelotes que j'ai utilisées au total pour cette version-là. Donc voilà le dos. Je suis très contente hein, de cette version rayée que je vais adorer porter. J'ai hâte de le terminer parce qu'en fait j'ai envie de le porter maintenant. Je trouve que ça, c'est des couleurs à porter maintenant, fin août, début septembre. Voilà, des jolies couleurs pastel. Alors, je vais vous donner les numéros des coloris. Alors, le pêche clair, c'est le numéro 53. Le limonade, c'est le numéro 52. Un jaune très clair, pastel en fait. Et le brume violette, c'est le numéro 55. Donc, je ne vous ai pas dit, mais ce modèle, c'est donc du tricot circulaire, hein, donc sans couture, avec des manches raglan. Et au début, pour le col, en fait, on commence par le col, hein, il se tricote du haut vers le bas. Et pour le col, on commence par un montage tubulaire. Vous voyez? Montage tubulaire. Et ensuite, donc, on tricote les côtes. Et ensuite, on fait des rangs raccourcis pour creuser un petit peu l'encolure. Et puis, on commence directement à faire les augmentations raglan. On met les manches en attente et puis on tricote le corps avec la patte de boutonnage en même temps. Et ensuite, on va reprendre les manches pour les tricoter sans diminution, il me semble, et faire un poignet avec des petites diminutions avant pour faire un poignet resserré en côte. C'est un modèle super joli. Je vais vous montrer ma première version. Voilà, donc ça, c'est ma première version du gilet Luz que j'avais tricoté pareil en kit silk de chez Drops, mais en vert pomme, un très joli vert pomme. Et donc c'est bien ça pour les manches, vous voyez qu'il a un poignet resserré en côte. Voilà, j'aime beaucoup ce gilet Luz, il est superbe, il est très doux, il est léger en même temps, puisque tricoté en mohair et soie, avec deux fils ensemble, et puis la patte de boutonnage qui se tricote en même temps, ça c'est super. Voilà, très simple, mais vraiment un petit gilet à décliner en plein de coloris différents. Je suis très contente de tricoter ma deuxième version, cette fois-ci à rayures. Version que vous verrez dans le prochain épisode.
Allez, on passe au quatrième en cours. Regardez cette pelote colorée. Décidément, c'est un épisode coloré, hein, aujourd'hui. Regardez cette jolie pelote avec plein de couleurs. C'est une laine à chaussettes de la nouvelle collection Wooladit. Et voici mon début de paire de chaussettes. Voilà. Donc, j'ai tricoté les côtes de la cheville en côte de 2. La cheville et je suis en train de tricoter le talon. Regardez ces jolies couleurs. Donc c'est une pelote de la nouvelle collection Wooladit. Ça c'est une laine qui m'a été offerte par la marque, donc j'ai pas choisi le coloris, mais j'adore le rendu tricoté. Et avec la pelote, ils m'ont envoyé également un petit livret de modèles de chaussettes et de mitaines. Et du coup, il y a également les autres coloris de la qualité Move. Je vais vous montrer ça. Et dans ce livret, il y a les explications pour tricoter, par exemple, des chaussettes de yoga, des petites mitaines aussi. Vous voyez, les chaussettes de yoga. Encore un autre coloris ici. Les chaussettes, toutes simples. Pareil, il y a les explications également dans le livret pour tricoter ces chaussettes. Et il y a également une paire de mitaines. Donc voilà pour le début de ma nouvelle paire de chaussettes colorées. Bon, bah c'est une paire de chaussettes tout en jersey. Vous pouvez retrouver les explications en pas à pas, en tuto pas à pas sur ma chaîne YouTube. Je vous ai fait une vidéo. C'est donc cette recette-là que j'utilise pour mes petites chaussettes avec des côtes et puis des côtes pour la cheville. En fait, je les tricote de la cheville vers la pointe et tout en jersey. Et un talon renforcé à gousset. Donc vous pouvez retrouver ma recette de chaussettes sur ma chaîne YouTube en tuto pas à pas complet. Pareil, je vous mettrai également le lien vers ma vidéo. Et puis dans le colis, ils m'ont également envoyé leur nouveauté, donc c'est la qualité Memory. Regardez ce coloris. J'adore ce coloris. C'est le numéro 59. Vous voyez, la référence est ici, 59. Donc c'est Memory, c'est donc une qualité, elle est très très douce cette laine. Enfin, c'est un fil composé de laine vierge à 88% et 12% nylon. Ils ont une nouvelle collection très colorée et avec les pelotes, il y avait également un livre de modèles très colorés. Donc c'est ce livre-là. C'est tout en couleurs. Donc c'est la collection d'automne aussi. Mais ils ont une collection très très colorée. Voilà, c'est vraiment des couleurs peps. Vous voyez le bleu turquoise. Regardez ce gilet avec trois couleurs. J'adore. Moi qui adore les couleurs en ce moment. Le orange, j'adore aussi pour l'automne, c'est parfait. Regardez ce joli pull texturé. Moi qui adore les sans manches en ce moment, voilà un modèle de sans manches avec un col roulé. Et puis la collection rose avec encore un sans manches, du crochet, toujours coloré. Donc voilà pour ce livre qui m'a été envoyé en même temps que les pelotes avec la nouvelle collection donc de Wooladit par Langyarn. Allez, cinquième et dernière en cours. C'est un kit We Are Knitters et le modèle c'est, attention, suspense, tac! C'est celui-ci. Il s'agit du modèle Alice, le Alice Sweater. Avec ces petites broderies en fleurs que j'adore. C'est vraiment ce qui m'a fait craquer pour le pull. Donc c'est un pull qui se tricote rapidement avec des très grosses aiguilles de 8 mm. C'est un design de Colibri by Johanna. Alors ils mettent niveau intermédiaire, mais je peux vous dire que c'est plutôt niveau débutant. C'est très très facile à tricoter. Je l'ai pas mal avancé. Je vais vous montrer ça. Voici le début de mon pull Alice. Enfin, le début, je l'ai quand même pas mal avancé. Hier soir, je l'ai encore tricoté. Il est tellement facile à tricoter que
J'arrive à lire en même temps ou regarder un podcast par exemple. Donc ça, c'est vraiment le tricot détente, zéro cerveau, hyper simple. Vous voyez que j'ai déjà essayé de faire une petite fleur parce que j'avais jamais brodé de la laine, enfin sur un pull. Et j'ai donc essayé, je suis bien contente du rendu. Alors c'est un modèle qui se tricote en rond avec des aiguilles circulaires de 8 mm. Donc ça, c'est les aiguilles qui se trouvent dans le kit. Donc les aiguilles de chez We Are Knitters en bois, très agréable à tricoter. Il se tricote du haut vers le bas avec des manches raglan. Et puis les mailles du col sont relevées par la suite pour tricoter un col en côte. Les manches sont mises en attente et je suis en train de tricoter le corps qui se tricote hyper vite. Avec des aiguilles de 8 mm, hein. Et en plus, c'est une laine qui est super agréable à tricoter. C'est une laine mèche. Il se tricote avec la laine The Petite Wool 100% laine. Donc moi, j'ai choisi les mêmes coloris que le modèle de présentation. Ça, c'est le mauve chiné et ça, c'est le écru ou naturel. Voilà, naturel, c'est pour broder les petites fleurs. Et ça, c'est le mauve chiné. Donc c'est tout compris dans le kit. Dans le kit, vous avez les explications, la quantité de laine selon votre taille, les aiguilles circulaires, une aiguille à laine pour broder les petites fleurs. Donc ça, c'est une laine mèche, très agréable à tricoter. Pour ça, je vous dis que ce kit est vraiment bien aussi pour débuter, parce que du coup, cette laine, elle est facile, je trouve, à tricoter. Donc, voilà pour le pull Alice, qui se tricote en rond, donc sans couture. Donc voilà, ils mettent vraiment niveau intermédiaire, mais moi je trouve que il est hyper facile, avec des manches raglan en plus. Donc moi je tricote la première taille, et ça sera vraiment parfait niveau aisance. J'ai trop hâte de le terminer pour le porter celui-ci. Il sera vraiment parfait pour l'automne. Voilà pour le pull Alice que vous verrez, je pense, dans le prochain épisode. Et bien voilà pour mes nombreux en cours, enfin mes 5 en cours. Vraiment, je ne me reconnais pas. Mais j'aime bien, franchement, je suis très contente. Je vais me concentrer plus sur le gilet luse parce qu'il a des couleurs plutôt fin d'été. Donc, je vais plutôt avancer celui-ci pour le terminer rapidement et pour pouvoir le porter au plus vite. Et puis ensuite, je continuerai mon pull Ola. Mais c'est pas fini parce que là, en fait, nous sommes le 27 août et le 1er septembre, je vais commencer le pull d'automne. Vous savez, l'année dernière, mon pull d'automne, c'était celui-ci. C'est le pull Into the Wild que j'avais tricoté avec la Plotulopi, la laine islandaise. Avec les petits renards. Oh, j'adore ce pull. Mais là, cette année, je recommence. Alors, c'est pas le même pull, mais je fais également un pull d'automne très différent de celui-ci. Donc, le 1er septembre, je commence mon pull d'automne que je tricote avec ma copine Marine de la chaîne Cocon Vert. Donc, elle aussi, elle va tricoter ce fameux pull. Mais je vous dis pas ce que c'est une surprise. Vous le verrez dans le prochain épisode. Puisqu'on va le commencer au mois de septembre, mais je peux vous dire déjà que c'est un pull avec beaucoup de couleurs, puisque dans ce carton, alors il est assez lourd, il y a plein de couleurs, il y a en fait 9 coloris que j'ai sélectionnés, donc des couleurs d'automne bien sûr, mais voilà, j'ai trop hâte, j'ai trop trop hâte, donc dans quelques jours, vendredi prochain, je commence avec Marine de la chaîne de Cocon Vert. Un superbe pull qu'elle m'a fait découvrir et que vous verrez dans l'épisode de septembre. Donc rendez-vous en septembre pour découvrir mon pull d'automne 2023. J'ai reçu mes fleurs du mois d'août de Apollonie. Alors si vous ne les avez pas encore reçues, les fleurs du mois d'août, ne regardez pas ce passage. Je vais vous les montrer. Et là, ce sont mes marqueurs préférés. Cette fois-ci, j'adore les couleurs. Alors,
Les fleurs du mois d'août, les voici. Je ne les ai pas encore sorties, je ne les ai pas encore utilisées, je viens juste de les recevoir. Ce sont des fleurs d'églantier. Et vous voyez pourquoi c'est mes préférées? C'est des couleurs qui rappellent un petit peu l'automne, je trouve. J'adore. Donc les fleurs du mois d'août de chez Apollonie. Mon code promo est toujours d'actualité, je vous le mets ici. Donc c'est Stéphaline Made. Et je vous mets également le lien vers le site de Apollonie dans la description de la vidéo. Elle m'a également envoyé une petite étiquette tricotée main. Voilà donc pour les fleurs du mois d'août. Oh, mais c'est pas fini, il faut que je vous parle de ça. Décidément, cet épisode, ça part dans tous les sens. Allez, je vous parle de ça. Alors, ça, c'est de la laine à chaussettes que je viens d'acheter. Alors, premièrement, j'ai commandé sur Butinette. J'adore Butinette pour les laines à chaussettes. Et j'ai craqué pour ces trois couleurs-là. En fait, c'était un lot qui était à 15 euros, il me semble. Et j'hésite pas, en fait, quand il y a un lot qui me plaît chez Butinette, ben, je le prends tout de suite. Parce que j'ai remarqué que les couleurs, les lots, en fait, changeaient. Et parfois, on ne les retrouve plus. Donc c'est pour ça que maintenant, dès qu'il y a un lot qui me plaît, dès que j'ai un coup de cœur, je commande direct. En plus, c'est pas très cher, c'était 15 euros. Les trois pelotes, sachant que c'est des très grosses pelotes, et je peux faire deux paires de chaussettes dans une pelote. Donc il y a 100 grammes dans ces pelotes-là, il y a 100 grammes. Donc on peut facilement faire deux paires avec une seule pelote. Donc voilà, c'est la marque The Wool Butte. J'espère que je prononce bien. Voilà. Je ne sais pas si c'est toujours disponible sur le site de Butinette, puisque ça change souvent. En tout cas, je viens de les commander. Donc, n'hésitez pas à regarder sur leur site. Hop. Donc, voilà les trois couleurs. Et vraiment, j'ai craqué pour ces coloris-là parce que c'est tout à fait ce que j'aime. Le rose et le vert. J'adore ces couleurs ensemble. Et du brun, du marron. Voilà. Donc j'ai hâte de les tricoter. Et puis j'ai commandé également chez Rascol cette fois-ci. Donc chez Rascol, j'ai commandé ces deux coloris-là. Je voulais de la laine à chaussettes unie pour faire des chaussettes avec de la dentelle du livre champêtre, que je vous parle tout le temps. Donc pour faire des chaussettes avec de la dentelle, je voulais de la laine à chaussettes unie. Parce que finalement, j'en ai pas tellement. J'en ai pas tellement de laine à chaussettes unie. Donc j'ai commandé de la crème queue Edelweiss. De la crème queue Edelweiss. Et quand je l'ai reçue, j'avais pas vu en fait sur le site, mais c'est de la laine à chaussettes non superwash. C'est-à-dire qu'elle passe pas en machine. Un petit peu dommage pour la laine à chaussettes, mais bon, c'est pas grave. Je les laverai à la main. Mais j'avais pas vu ça sur le site. Donc ça, c'est le coloris 419-127. Et ça, c'est un joli rose numéro 404-104. Donc j'aimerais faire les chaussettes cavalières. Toujours, je suis toujours sur le livre champêtre. Les chaussettes cavalières. Les bergères, voilà pourquoi je voulais de la laine à chaussettes unie. Et il y en a encore une troisième. Mes préférées, ce sont les chaussettes broderie anglaise que je vais tricoter aussi en unie. Donc voilà, ah, j'en aurais fait pas mal hein, de chaussettes du livre champêtre. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup vous proposer, on me l'a demandé en commentaire, une vidéo spéciale chaussettes. Comme ça, je pourrais vous montrer un petit peu, comme un podcast en fait, mais spéciale chaussettes. Je pourrais vous montrer un petit peu toutes les chaussettes que j'ai faites et vous faire un retour sur les laines à chaussettes que j'ai utilisées, les modèles, etc. Donc ça, c'est dans mes projets de vidéo YouTube. J'espère que ça vous plaira. Sinon, niveau couture, j'ai reçu hier ma box Craftine, la box été indien, avec des couleurs superbes, des couleurs que j'adore, été indien, voilà, c'est tout à fait une box pour moi.
Donc j'ai hâte de la coudre. Et puis j'ai reçu également un nouveau patron pochette de chez Super Bison. J'ai craqué pour le patron Josepha aux multiples possibilités. Vous voyez qu'il y a trois versions. Et moi, je pense que je vais faire un petit chemisier. En ce moment, j'ai envie de coudre des chemisiers parce que sur ma liste de tricots d'automne, il y a énormément, énormément de petits pulls sans manches. J'ai plein, plein de modèles sans manches que j'aimerais tricoter cet automne parce que j'adore porter des petites chemises avec un petit pull sans manches par-dessus. J'adore ça. Et en plus, j'ai vu plein de jolis modèles de pulls sans manches. Donc, du coup, je vais me coudre des petits chemisiers comme le petit chemisier Josepha de chez de Super Bison. Eh bien, quel épisode chargé! J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait super plaisir de vous retrouver dans ce nouvel épisode. On se retrouve, eh bien, sur Instagram déjà et également au mois de septembre pour le nouvel épisode de septembre qui, je pense, aussi sera très, très chargé. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et je vous dis à très bientôt!